Bonjour à tous, alors aujourd'hui direction l'Ariège, je suis à Moulin-Neuf pour une petite randonnée, c'est pas une randonnée vintage, c'est une balade sur une voie verte pour aller au Festival des Fleurs dans le petit village de Camon qui est un village fleuri. Alors l'événement s'appelle Des Vélos et des Roses, donc je vais participer avec ma femme, vous avez vu, j'ai un maillot rose, elle aussi, et on a tous les deux des vélos roses, donc on est dans le code couleur, donc tout de suite, on va prendre la route. C'est bien, perfecto. C'est super, c'est bucolique. On est bien là en famille. Ah oh ben, toujours aussi chouette. De chouettes paysages. Une difficulté minimaliste. Donc on se balade, on est à l'abri quand il y a du soleil. Et puis une bonne ambiance, puisqu'il y a pas mal de monde qui l'a fait à pied, à vélo. Et c'est toujours aussi sympa. On va bientôt arriver à Camon pour la fête des roses. Alors vraiment, ça se passe super bien. Il y a quand même beaucoup de gens en vélo. Et je les comprends parce que tous ceux qui viennent en voiture ont un mal fou à se garer. Donc c'est un peu du grand n'importe quoi au niveau du stationnement. Mais voilà, en vélo, on n'a pas ce genre de problème.
Alors je vois qu'il y a vraiment beaucoup de vélos, donc c'est un réel succès pour cette journée vélo et rose à Camon, en Ariège. Alors effectivement, cette fête des roses porte bien son nom parce qu'il y a des rosiers dans tout le village et c'est quand même magnifique. Il y en a pour tous les goûts, il y en a de toutes les couleurs. Pour nous, c'est la fin de cette balade. Enfin, il va simplement falloir qu'on rentre récupérer notre voiture. En tout cas, c'est une super bonne idée de venir à Camon à vélo pour cette fête des roses. Alors, il y avait plus de 300 inscrits pour la balade en vélo. Mais en termes de spectateurs, de gens qui viennent visiter le village pour voir les rosiers en fleurs, là, je pense qu'il y en avait vraiment plusieurs milliers. Donc, c'est vraiment un grand succès, cette fête des roses. Et moi, je vous invite vraiment à venir faire un tour dans ce coin parce que c'est magnifique. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.